parce que vous allez remarquer, artiste ou yemba, ba musique, to ba nzembo, na ba langue maternelle na bango, et ça ba nzembo zaka, très référencé par rapport na bango, très identifié par rapport na bango. Donc en plus, un exemple, il y a Tchalamouana. Tchalamouana, so ki ba nzembo na Chilouba, ba référence, ça va identifier à Tchalamouana, na style wana moutouache. Pourquoi les gens ne disent pas que Tchalamouana fait de la monotonie? Je vais vous donner encore. L'artiste Franco Lombo Makiadi, vous avez dit que vous avez dit que vous avez à Hollande, je crois qu'on va balancer les binômes de Yokamo. La langue maternelle, Naï. Identité paye nous sous naïa ouana malgré ça qui trop naon de baba bimisipe à valoriser paye moka naïe village naïe mouno quoi moka naïe. Des fois c'est honteux, il faut avoir honte de ne pas savoir faire la différence entre identité, style et monotonie. Il faut avoir honte, et puis surtout quand on a atteint un certain âge, il faut avoir très honte. Ou soit c'est un problème de langue, mauvaise foi, où les gens ne veulent pas se cultiver, les gens n'aiment pas faire des recherches, les gens n'aiment pas s'instruire, se mettre à jour, voilà. Si vous bateau ba finga kinzembo wana ntie mona mona zo beta record. Et il faut aussi soulever un point ici. Est-ce que boyo kasusu en plein ya nzembo ya imper? C'est fini. Mais c'est la chanson des autres de Fali pour pas qu'il a fini ça, il faut être clair. Et pour prouver, pour vous montrer aussi la mauvaise foi de la presse congolaise, combien de journalistes en parlent? Combien? Faites, vous savez tout, il y a YouTube. Je n'ai enseigné sur Boébi, Beta Combo, d'être à l'actualité, dans l'Obélani. Au moins, on a tous les belles, tout autour de Belanzo, tu as fallu pour. Au moins, on a tous les belles, et belles, il y a un Obéla impair. Une totalité. Mais on dit, ma fallu pour la journaliste, c'est Moussou, parce que vous êtes limité. Mauvaise foi. Boébi, ma journaliste, on a zolo. Mais ma jeunesse, ça a commis sa mission d'être guerre mon boué. Quand profali, n'a qu'en proféré. Bon, tout le monde est en ligne. Il y a un camp et un profali, n'a proféré. Faire avec ça qui est pyromane. Mon ma jeunesse, c'est au bino volcan, ça va être profali. L'obéli pyromane va féliciter pyromane. Mais combien de bino boza quand il y a proféré pour féliciter nous autres? N'exploit à saline un record à saline. Bon, c'est plus là qui pyromane a ça qui est 1 million dans l'espace il y a 3 semaines dans la chaîne où on a eu trace. Mais. Fali pour la chaîne, moi ça dit 1 million l'espace il y a 2 jours. Combien bah, l'équipe va féliciter pour le Fali, ça dit record en tout cas, vraiment félicitations à la Warrior, tout ça, tout ça. Aucun. Il était devant dans la commande, il était dans la commande, il était dans la commande, YouTube, tout ça. Nous avons un père qui est comme moi, nous avons un père qui est une totalité. Félicitations à l'artiste, à la rappeur, à la machine, à. Mais il fallait être Fali pour venir au Tchanzé, nous avons et le mot parce que. Nous pépons les amis parce que c'est une chanson révolutionnaire, je peux dire aussi patriotique. Yo yo le monde en bon marché. Et faut aller. Et félicitations à Fali Poupa. Du respect. Combien d'artistes ben naba osé ba tchan nzembo tocha li baya na nzembo ni to salité. Pourquoi makam sou to lo barater ba ko kanza nti. Tozo banga té, faut ko lo barango. Tous les gens qui ont un père venu coloniser la musique pendant 5 jours. Congo, mon bimbabazo, l'obé là. Mais il fallait pour pas annoncer nous autres. Anecdote, nous avons un peu de temps, mais il fallait pour pas, en tout cas, battre basa concentré. Sorry, battre basa concentré dans ma camouille en boca. Est-ce que battre basa concentré dans nous autres? Mais vous avez vu une démonstration de force. Là, je crois qu'il est maintenant à 1 100 000 quelque chose de vues sur YouTube à l'espace de 2 jours seulement. 2 jours seulement. FPP. FPP. Et bienvenue sur la chaîne BF officiel. Mais avant
d'y aller, assurez-vous de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bienvenue sur la Bève officielle. Donc bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Alors une fois de plus avec Tonton Bève, les transferts les plus chers de la presse congolaise, l'international, 12e merveille, les motivés, toute une génération, Monsieur Autotune, ancré correcteur, NFL, la valeur ajoutée de la presse congolaise. Je suis bien bel et bien là, une fois de plus. Aujourd'hui, on va analyser encore cette chanson, Nzoto de Fally Ipupa, qui vient d'atteindre, bon, qui venait d'atteindre la barre des 1 million de vues sur YouTube juste à l'espace de 2 jours. Donc, c'est un record hein, pour aussi l'artiste, donc pour ses fanatiques, les personnes qui ont eu à visionner cette chanson autant de fois. Donc, félicitations à Fally Ipupa. Donc, 1 million de vues en 2 jours. Donc, waouh! La chanson Nzoto, quand la chanson a été mise en ligne, les gens ont dit que c'est une chanson nulle, monotonie, l'artiste ne fait que se répéter. Mais la chanson ne va pas connaître un grand succès. Mais là, à l'heure actuelle où je vous parle, le bien avec l'artiste Fally Ipupa, quand il sort toujours une chanson, la chanson est toujours critiquée par après, la chanson devient des morales au barico mara hit. Donc voilà, alors je vais essayer un peu de partager avec vous aujourd'hui cette expérience autour de cette chanson Nzoto. D'abord, avant que nous puissions continuer, assurez-vous que vous êtes abonné, donc abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Nzoto sur les marchés, Nzoto bien au money. D'abord, l'artiste n'utilise pas les Google Ads, vous avez vu avec les classements tendance. Il y a un moment, il a été premier, deuxième, 18e, 20e, ça dépend aussi hein, des différents pays, des différents coins. Je crois que je vais essayer d'illustrer à travers les images. Donc, et ça allait bien. Binomoro Bomoni, nous autres, se comportait bien. Challenge, challenge, il y a Danse One, il y a Bazo Mekadance, il y a Loro Tampata. Donc, c'est une chose à féliciter. Mais ici, je vais marteler sur, une fois encore, la monotonie. Les gens qui disent que c'est de la monotonie, tel que Naïloba qui a une émission passée, Fally Ipupa est parmi les artistes qui embrassent plusieurs styles à la fois. Fally Ipupa, tu peux les retrouver dans la rumba, à musique urbaine, des Gizarababa, afro, etc. Mais il est aussi la musique de base, des Zanatiba, chansons en abandim ou folklorique, Nzoto, Elokoyo, Photo, Bakanja, Banzembo Loko Laba, Kosaleka, Bit Yanzembo, Instrumental Yanzembo Wana. Et on peut savoir, côté de différence, il y a Fally Ipupa. Parce que, avec cette génération actuelle, donc la génération de Fally Ipupa, inclut Bamisien Yoso Boyebi, Aja Fally Ipupa, tu es la génération Fally Ipupa, OAC, l'artiste qui a pu se faire démarquer de la rumba. Donc, bon, pas vraiment démarqué. Donc, se faire identifier à part la rumba, s'identifier dans le style ou sur la musique, c'est Fally Ipupa. Parce que, en 2017, quand il est venu avec l'album Tokos 1, vous avez déjà vu comment est-ce que l'artiste a tikaki rumba à côté d'un univers où il a été. Et ben, il y a rumba, la carte, il y a Tokos 1, peut-être seulement les jeudi soir. Nous, ce tikaki, vous sentez bien qu'il y a artiste à côté qui n'a pas de monde. Vous avez un bal d'essai pour voir comment est-ce qu'il peut aussi s'en sortir en dehors de la rumba. Alors, les artistes qui sont toujours stagnés dans la rumba, on ne dit pas qu'il faut rejeter la rumba. T'es un artiste, c'est quoi un artiste? C'est qui un artiste? Un artiste, c'est une personne qui a la capacité d'avoir une polyvalence, de toucher à plusieurs styles, à plusieurs choses. Pourquoi d'abord? Un artiste doit être capable de chanter, de danser, de composer, d'arranger, de jouer aux instruments, chorégraphie, être basé et puis comprendre l'industrie musicale. C'est ça un artiste. Un artiste ne devait pas seulement dire chanter. Non. Parce que la personne qui chante, bien qu'elle est chanteur. C'est un artiste chanteur, c'est un artiste danseur. Ça c'est dire. Mais être artiste complet, et ça, il y a un autre chose. Au instrument, au binaka, au yembaka, au composaka, au dirigeaka, au arrangeaka.
c'est un artiste complet. Donc, vous allez voir les personnes qui disent que Fally Ipupa, c'est de la monotonie. Non, ce sont les personnes peut-être de la mauvaise foi ou des personnes qui ne comprennent pas l'identité musicale d'un artiste. Fally Ipupa, d'abord, c'est un mongo. Ethnie n'est un mongo, il ne fait que valoriser la musique de chez lui. Alors, qui interdit aux autres artistes de valoriser aussi la musique de chez eux? Soit il y a deux cas ou deux problèmes. Soit ces artistes-là, ils ne sont pas, comment dire, vraiment entrés dans leur culture, dans leur ethnie. Donc, soit il y a des gens qui ont bien été, tout le monde maîtrisé, les gens qui ont bien été. Problème, je suppose que tout le monde est dans le Congo. Au Romona, Moutouza, par exemple, est Moulouba. Maïbi Chiloubate. Et ça m'a bêté. Mais ça peut par rapport peut-être il y a milieu. Plusieurs artistes ont été ils ont été dans leur village natal. Quand ils sont peut-être venus à Kinshasa, la musique congolaise basée à Kinshasa est influencée monde nabango musical. Du coup, ils ne veulent que chanter peut-être en lingala, en français, en oubliant même de chanter peut-être dans la langue nabango. Parce que vous allez remarquer, artiste ou yemba, ba musique, tout ba nzembo, na ba langue maternelle na bango, et ça ba nzembo zaka, très référencé par rapport na bango, très identifié par rapport na bango. Donc, en plus, ça m'a un exemple, il y a Tchalamouana. Tchalamouana, so ki ba nzembo na ya Chilouba, ba référence, ça ba identifié à Tchalamouana, na style wana moutouache. Pourquoi les gens ne disent pas que Tchalamouana fait de la monotonie? Voilà. Tchalamouana style, identité, c'est les Chilouba, c'est les Moutouachi, la musique de chez elle. Je vais vous donner encore. L'artiste Franco Lombo Makiadi. Oui, il y a un concert en Hollande. Je crois qu'on va balancer les binous de Boyo Kango. Et ça, c'est la langue maternelle. Identité, nous sommes en Hollande. Malgré ça, il y a trop de mal. Bimisi, à valoriser. Mokanae village n'est mon nom quoi Mokanae. Aujourd'hui, nous sommes où ya ouer à son. Ce sont aussi parmi les chansons au Batoubéli, Bayebéli, Mouwe Rasson. Pourquoi? Il a voulu valoriser son pays à travers une langue maternelle. La chanson la plus vue sur YouTube de Fally Ipupa reste quelle chanson? Elokoyo. Une chanson d'une langue maternelle de chez lui. Et aujourd'hui, quand il fait des exploits avec nous autres, mais pourquoi d'autres artistes ne veulent pas aussi valoriser la langue nabango? Est-ce que Baza, Bakinoa, tout Baza, n'est pas le barana, Bissot, Bambokatier, parce que Mbokatier, on a toujours un mignon. Mais ils appellent à Batoum Soussoupé, à Botaminakin, mais à Koutinanda, pour le barana langue maternelle. Et du coup, il s'attache à sa culture, il s'attache à l'ethnie, il s'attache plutôt à ses origines. Si vous allez dire que Fally Ipupa c'est de la monotonie, bon, vous avez eu de telles chansons chez Fally Ipupa combien de fois? C'est pas beaucoup. L'artiste est au bout de rumba chaque année, chaque album. Bah, on est dans la monotonie à style.
Parce que l'artiste Fally Ipupa a zo varié dans style. Ah oui, il y a les rumba, il y a les tokos musique, il y a les musique folklorique. Ce pas si lui qui a mis au rapé dans le monde. Très important pour un artiste. Et un secret, vous savez, nous les Africains, à travers le monde, d'autres continents, quand ils s'intéressent à la musique africaine, ils voient plus les origines des musiques, les musiques de base, les musiques culturelles, folkloriques, les musiques ethniques. Il y a un peu de prix, il y a un peu de la musique. Pourquoi? Parce que il y a des originalités dans la musique. Ils savent que si vous jouez la rumba, si vous jouez les jazz, blues, R&B, hip-hop, rap, etc. C'est pas propre vraiment aux Africains. Mais quand ils écoutent les chansons folkloriques de chez nous, les chansons ethniques de chez nous, ils se disent, ça c'est l'originalité africaine. Voilà pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, la chanson la plus vue des Fally Ipupa sur YouTube, c'est Lokoyo. Pourquoi? Ça a captivé plusieurs continents, plusieurs peuple, plusieurs pays. Batouba Tchangoka, autour de la musique, il y a Congo. La consiste à Mazo Lobao. Et pourquoi d'autres artistes, peut-être, Bazo éviter Pétamsouzou, Babé Tapio Musique n'a pas vraiment beau. Est-ce qu'ils maîtrisent bien? Parce que le problème n'est pas seulement de jouer les styles, mais est-ce que tu es dans ça? Parce que Fally Ipupa, en l'entendre parler, en l'entendre chanter, on comprend vite qu'il est vraiment dans son ethnie. Il est vraiment authentique. Écoutez seulement comment est-ce qu'il est à l'aise quand il chante ce genre de chansons. Nzoto, Elokoyo, Kosa Leka, Photo. Même au début de la chanson, Allo Téléphone. Voilà, c'est maintenant qu'il m'boka. Écoutez vraiment instrumental Sima. Et puis Fally Ipupa a côtoyé Kibinda Koyalina na Kitambo. Ça veut dire que donc il est dans ça, musique Yambonda. Musique Yambonda même c'est la musique qui représente d'abord l'Afrique, surtout nous les Congolais d'abord Tobina Ramingi na Mbonda. Et Mabina na biso mingi biso ba Congolais et Vanda na Loketo. Nous les Congolais, nous dansons plus avec la hanche. Si vous dites que Fally Ipupa même à travers sa danse est devenu monotone, mais ça, c'est son identité. Aujourd'hui, dans la musique congolaise, on n'a pas dit que c'est Fally Ipupa qui a valorisé la hanche. Non, les gens dansent déjà avec la hanche. Mais danser de la manière où on n'a pas mis comme on a le keto n'a pas tout ça. Même dans la rumba. Et c'est Fally Ipupa. C'est Fally Ipupa. Fally Ipupa a enlevé d'abord cette monotonie-là qu'il y avait dans des albums. J'ai parlé une autre fois avec une analyse que j'ai faite ici, que à l'ancienne, nos albums étaient comportés ou bien ils comprenaient, par exemple, 12 chansons rumba, 4 génériques, par exemple. Mais vous allez retrouver, même dans des chansons rumba, à la fin de ces chansons-là, il y a encore une intervention des génériques, des chansons dansantes. Mais Fally Ipupa, et je pèse mes mots, la première personne où on a retrouvé dans son album, avec Navago, il y a un générique, Nakati. Navago, on a tout retrouvé dans cet album à Fally, net, droit chemin. Au sens dire que, intro ou générique, ça dans Soussoumi Balé, Bandien, je dis que les Arumba et Koko Tamabi Naté, Nasuka. Pareil avec Arsenal des Belles Mélodies, pareil avec Power, pareil avec Control. Et c'est suite à l'album Droit Chemin, plusieurs artistes congolais aujourd'hui, vous allez remarquer que cette identité-là, ils portent l'identité des Fally Ipupa à travers leurs albums. Il faut se les dire, hein. Il ne faut pas attendre que Fally Ipupa ne puisse plus être là pour venir dire des vérités. Nous qui avons cette connaissance, nous qui sachions, nous autres vivre Makambango. Notre but est de vous informer, nous les journalistes. Voilà pourquoi on ne doit pas cacher certaines informations pour peur de léser les autres. Non, ce n'est pas question de léser les autres. C'est question même de motiver les autres à apporter aussi les rapports. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font des débats pour dire que Fally Ipupa n'a apporté aucun apport dans la musique congolaise. Mais la raison que ça vient déjà pas au moins. Il y a mené les bénéfices. Si les lots n'abalbom tout. N'abalbom tout. Oyo Kapenage, ce qui est générique, générique est-il que la générique, rumbe est-il que la rumbe.
Les gens vont dire non, Koffi Olomide, non, même pas Koffi Olomide. Koffi Olomide aussi, il faisait des albums où on avait des chansons rumba, mais Nassou Kanté, au moins, il continue à moi, ma bine. Oui, il y a un album qui est fracata, un album qui est si. Il y a un album qui est un album qui est hyper rumba, rumba bien, rumba Koffi Olomide. Mais il y a un album qui est continue à moi, ma bine. Mais avec des albums de Fally Ipupa, il n'y a pas. Sortez-moi une chanson où Fally Ipupa, rumba, et puis à côté, si ma bine, exact. Donc, on peut dire, artiste, on peut voir ça là aussi, bon, par exemple, il y a monotonie, il fallait, il faut pas. Parce que, des fois, c'est honteux. Il faut avoir honte de ne pas savoir faire la différence entre identité, style et monotonie. Il faut avoir honte. Et puis, surtout quand on a atteint un certain âge, il faut avoir très honte. Ou soit, c'est un problème de langue, mauvaise foi, où les gens ne veulent pas se cultiver. Les gens n'aiment pas faire des recherches, les gens n'aiment pas s'instruire, se mettre à jour, voilà. Tu vois, bateau va finir à Kinzembouana, tu sais, moi, on est obéi à un record. Et il faut aussi soulever un point ici. Est-ce que Boyo Kassoussou, en plein Rianzembou, il y a un père? C'est fini. Mais c'est la chanson de Zoto de Fally Ipupa qui a fini ça, il faut être clair. Parce que impact dans mon pépé ou nzé mwana impéré qui n'a mon photo va vérité. Toi va vérité quoi? Toi va yu matin? Donc vous faites mis sous terre, donc vous faites ma toité, donc vendre la commande, tu vois, il y a qui n'a pas mon kilindé, les canaux YouTube, tout ça. Nzé mon impéré n'ingi si comment l'année mon sakanate. Nzé mon impéré n'ingi totalité. Félicitations à l'artiste, à la rappeur, zozo, ma chine, à yu. Mais il fallait être Fally Ipupa pour venir au tchan nzé mon mwana et l'ongolamo parce que mon pépé nzé mon les amis n'a parce que c'est une chanson révolutionnaire, je peux dire aussi patriotique. Yo, le Molandien, bon, on a marché. Et faux Zala. Et félicitations à Fally Ipupa. Du respect. Combien d'artistes ont osé faire des choses pour faire des choses pour faire des choses? Pourquoi je suis un lobarateur pour faire des choses? Tu es un lobarateur. Il faut que tu aies un lobarateur. Tu es un impère qui vient coloniser la musique pendant 5 jours. Congo mobimba bazo lobela. Mais Fally Ipupa non c'est nzoto. Anecdote, nous on a banga qui n'a pas dit mais Fally Ipupa en tout cas, batu baza concentre. Sorry, batu baza concentre dans ma kabouya mboka. Est-ce que batu bagoyo kanze mouné nzoto? Mais vous avez vu une démonstration de force. Là, je crois qu'il est maintenant à 1 100 000 quelque chose de vues sur YouTube à l'espace de 2 jours seulement. 2 jours seulement. Voilà ce que j'appelle aussi réussite. Quand est-ce qu'un artiste a réussi? Un artiste a réussi d'abord quand il a fait asseoir son identité. Il maîtrise bien sa musique. Il crée son fan buzz ou fan base. C'est la réussite d'un artiste. Voilà. Vous qui avez l'habitude de me citer. Réussite d'artiste à moi. Là. Parce que l'artiste. Artiste. Démonstration des forces artistes. À Tchelo, on est dans le marché. Bafan est la kissi qui est au lingang ou batali. Bah consommer, bah streamer. C'est très important. Très important. Et Fally Ipupa, il sait que la réédition doit sortir. Oui, Zali. Anecdote, mon orpé sa ville. Vous comment vous le Fally Ipupa qu'il faut sa réédition avec Kalate. Mais très côté que la vie était tous en un moment il y a pas fête. Tous en un moment il y a pas fête. Bonne année et zo y a pas de bakobi. Il sait que il ne peut pas s'aventurer comme ça qu'il mis sa source générique. Mais t'as quand même bon tout de suite un challenge va devoir bien dans mon va devoir bien dans mon petit bonne année. Mais lui qui n'a qu'un album urbain, album tokos. Vous montrez tous les deux albums Tokos. Tokos 1 à Tokos 2. Est-ce qu'il va générer qu'ils en ont 4? Exact. Elle dit que même temps, réduction au bim. Il n'y aura pas vraiment des chansons vraiment dansantes, dansantes. Là, au vrai sens des barbares générés, il n'y a pas d'abus. On va dire, moi, il y a au bim, il y a au bim. Elle dit qu'il vous a raté. Parce que là-bas, il est question de chanter des chansons. Et il a vu les marchés chez tous les autres. Les autres, il y a un monde, il y a un monde, il y a un monde. Et. Pour prouver, pour vous montrer aussi la mauvaise foi de la presse congolaise, combien de journalistes en parlent? Combien?
fait bossa tour bossa ka tour ya ya YouTube jeunesse ni sobo bi beta combo d'être l'actualité na lo belani au moins tu sais belé tout zo belani zo tu as fallu pour au moins tu zaki e belé ya ko lo bela impair ni to salité mais andi ma fallu pour jeunesse mi susu ba c'est bon d'être limité mauvaise foi boy ba jeunesse na zo lo ba mais ma jeunesse en a commis sa mission d'être moins guerre, moins boué. Quand profali, n'a quand proféré. Bon, tout le monde est bon baling. Il y a un camp profali, n'a proféré. Fait avec ça qui est pyromane. Mon ma jeunesse, oh, bino bolkan, ça va, ça profali, ba l'obéli pyromane, ba féliciter pyromane. Mais combien bino bosa quand il y a proféré, vous féliciter nzoto, n'exploit salina record à sali. Bon, c'est pas là qui pyromane a ça qui est 1 million dans l'espace il y a 3 semaines dans la chaîne où on a eu trace. Mais, Fali pour la chaîne, moi ça dit 1 million l'espace il y a 2 jours. Combien bah, l'équipe va féliciter pour le Fali, ça dit record, en tout cas, vraiment félicitations à la Warrior, tout ça, tout ça. Aucun. Bah, tu as quand on a ou bah, on va profiter. Mais c'est ça les mêmes personnes qui vous disent que bisous tout ça, bah, tu as quand en vérité, nous sommes au milieu du village. Mais quand l'artiste Fali pour abîmer va candidat, va tourner, tout ça, pourquoi vous venez toujours contredire? Vous ne participez pas à la culture, vous détruisez la culture, monsieur. Je suis à la fin comme ça, si vous avez aimé, abonnez-vous massivement. C'était comme ça, Tonton Bev, les transferts les plus chers de la presse qu'on laisse, j'insiste une fois de plus. Les transferts les plus chers de la presse qu'on laisse, international. 12e merveille, les motiver toute une génération, messieurs autotune. Abonnez-vous massivement, c'est très important, on se retrouve très prochainement. Et puis il y a d'autres concepts qui vont arriver. La chaîne Abino Bev officielle, leur bilo Abien Zali, Tokutani Mbalasima. Merci comme ça, Yateo Maïla, Idé Clarisse, Maman Flo, Maman... Maman Diane Malika, Maman Blandine, King Push, Danny Flash, je vois comme ça Alfred Ndelo, si je n'ai pas massacré les noms, hein, Anita Cardozo, Bose Bele, Janelipe, Bambo de Nongana, donc on se retrouve très prochainement. Bye bye.